Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing d'un petit jeu Metago Alien Artifact, la survie passe par l'expansion. 2 à 5 joueurs, 60 minutes approximativement une partie. On n'a pas trop d'idée du matos. Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure toi? Les dessins étaient jolis. Ah les... ouais c'est vrai qu'ils sont assez sympas. Bah, même ceux-là en vrai en couleur ils sont cool. 6 factions uniques, un jeu en 4x en seulement une heure, une rejouabilité sans fin, pas mal de cartes, 244 cartes, cartes vaisseaux, technologie, planète, ressources, plans de défense, système, artefact, alien faction, 10 jetons en bois, 6 plateaux de faction, un plateau au score, 38 jetons, blocus, un joueur, jetons, 5 tuiles, voilà. Pas mal de cartes, de jetons, ça va ressembler à un jeu de deck building 4x hein, du coup. Hop. Et du coup, par contre, c'est un jeu. Alors attendez. C'est un jeu en coopération ou plutôt un jeu d'affrontement alors l'humain, construisez votre flotte, développez des technologies, explorez la galaxie, hein, prenez à maîtriser un combat efficace pendant les parties pour que les points en fin de partie. Ouais, donc c'est ça. En fait, on est. C'est de l'affrontement, hein, tout simplement. Une boîte un petit peu texturée. Bah, même l'illustration devant est belle, hein. Mmh. Voilà. Oh, bah, c'est joli tout ça. Donc, à la règle du jeu, plutôt simple, mais assez joli, j'aime bien. Voilà. Ça a l'air assez pur, hein. Il y a les illustrations, mais ça a l'air épuré à mort, tu vois. Ce qui est pas mal, hein. Il n'y a pas trop. C'est un petit livre de règles, hein. Enfin, il y a quand même quelques règles, quand même, quelques pages. Donc, à mon avis, c'est quand même. Espèce, ça t'a vu, j'ai des mains à la place des pieds. Donc, il y a quelques règles, apparemment. Mais ça doit pas être hors de portée des enfants, hein. Alors, des tokens. Alors, attendez. On a plusieurs tokens. Ça, c'est des phases logistiques, phases opérationnelles. Ok. Ça se dépunche ultra facilement. Ouais, nickel. Donc, pas mal de petits tokens. Ici, à peu près la même chose, hein, des jetons différents, un petit peu. Voilà, pareil en différentes cartes, phase opérationnelle, etc. On a un thermaformage. En dessous, il n'y a rien. Hop, par contre, ouais, on va pouvoir ranger nos petits tokens. Ça, c'est cool. Alors, ici, on a des plaques. Enfin, des plaques, des fiches joueurs plastifiées. C'est cool. À double face. Pourquoi double face? Ah, est-ce qu'on a le droit à deux persos différents? C'est... Par faction. C'est glacé. Ouais, tu vois, on peut changer. Mmh. C'est glacé, c'est, ouais, ouais. C'est joli. Oui, je vois, je galère avec la reflète. Donc, à mon avis, on a droit... Bah, on a le côté homme, féminin à chaque fois. Lui, c'est plutôt le côté féminin et côté féminin, du coup. Oh, lui aussi. Ouais, en fait, on a à chaque fois deux personnages par faction. Est-ce que ça a vraiment quelque chose de différent ou pas du tout? On sent l'odeur de neuf, tu sais. Ouais. Non, ça, c'est l'odeur Covid de Chine. Ah. Alors, attends. Je regarde s'il y a des choses différentes. C'est pour ça que je commence à signer de partout. C'est pour ça, ouais. Ça a pas l'air différent, première vue. Ouais, l'estoffe doit un peu changer, non? Bah, écoute, j'ai pas l'impression. J'ai regardé vite fait comme ça, j'ai pas l'impression. Non, on dirait pas. Non, on dirait pas. Bon, écoutez, ça a l'air d'être. D'un personnage à l'autre, ça oui, hein. Ah, mais il y a encore même pas en fait. Ah, mais non, mais même tous les personnages ont les mêmes. Ok. Ok, tout. En fait, ils ont. Tout le monde a la même chose en réalité. C'est même pas les deux personnages, c'est tout le monde a la même chose. Donc ceux-là, on les a pas vus, donc côté homme. Mais du coup, ça, je pense que c'est vraiment un skin, hein. Ouais. Putain, le papier est vraiment joli, c'est un peu... Enfin, c'est chelou, c'est difficile à expliquer. Ça fait des choses bizarres à l'intérieur. Hop. Et ça, ça doit être un plateau. Oh, les jeux... oh mais c'est... ils sont vraiment jolis, en vrai. Hein. C'est plastifié. C'est même que du plastique. Genre. C'est des fiches de plastique, hein. C'est même pas du carton plastifié. Hein. Glacé, comme ça. Et ça, ça doit être une fiche globale, hein, pour tous les joueurs. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, on a quelques petits tokens en bois. Bizarre qu'on ait le double à chaque fois. Et puis, je sais pas à quoi ils correspondent, les petits tokens en bois. 1, 2, 3, 4, 5 joueurs. Mais j'ai l'impression qu'en fait, on a un token par personnage. Mmh.
Du coup, est-ce qu'on jouerait pas deux personnages à chaque fois? Non, c'est possible. Et tu vois, t'as joué ton personnage, tu retournes ta carte, tu joues le deuxième. Faudrait voir avec la... Bah non, parce qu'on dirait qu'on doit mettre des trucs dessus. Ouais. Écoutez, ce sera à découvrir. C'est un peu bizarre. Ouais, écoutez, ça sera à découvrir. Pas mal de cartes. Hop, on va pas les mélanger. Ah, dans le terraformage. Ok, on peut pas vraiment les mélanger. Attendez, il y a des marquages, hein, comme on peut voir. Ouais. Mais, là, il y en a pas. Là, il y en a pas. Bon, ici, on a des vaisseaux. On les reconnaît, hein, c'est des vaisseaux. Mmh. Ah, mais je vais peut-être mélanger, en fait. On va regarder ça, mais c'est peut-être mélangé en fait. Tu vois qu'il faut les remettre dans l'ordre. Hein. Ah. Je sais pas. Par contre, on a beaucoup, beaucoup de place au final dans le terraformage. Ouais. Par contre, il y a une grande place là. Ça, c'est pour les thunes. Ah, hein. Les punchers, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un petit peu de place. Alors. Ouais, c'est tous les vaisseaux. Les cartes sont. Ça, par contre, c'est du carton un petit peu plastifié. Un petit peu de relief, c'est joli. Ouais. C'est vrai que la DL est jolie en vrai. Hein. Mm-hmm. Et toutes les cartes sont un peu épurées, sauf ceux-là où elles sont un peu plus. Mais du coup, ça, j'ai l'impression que c'est les cartes. Ça, non? Non. Bah, si, regarde. Hein? Et ouais. Ça, oui, ça, c'est les cartes vaisseau. Ah, oui, regarde. Ça, c'est les cartes vaisseau. Ouais. Ouais. En fait, elles sont pas dans l'ordre, tout simplement. C'est pour ça que ça ne correspond à rien pour l'instant. Yes. Et donc, ici, on a le petit signe là. Tout ça, c'est les signes d'argent, je dirais. Ouais, on dirait. Ouais. Elles sont toutes comme ça. On a d'un côté le programme d'assaut, permanence, comme on sait. Donc, c'est un jeu de deck building principalement. Hein. Voilà. Les vaisseaux, on va en regarder un. Permanent, augmente votre limite d'assemblage pour action. Donc ça, c'est les vaisseaux qu'on peut construire, j'imagine. Permanence, que ce vaisseau rapporte des points lors d'une attaque, gagner un en plus. Par contre, je vois que c'est vaisseau, exploration, vaisseau, logistique, ouais, c'est tous les mêmes, en fait. Voilà, donc en fait, les cartes, elles sont juste pas dans l'ordre. Hein. Ils ont mélangé un peu. C'est pour ça que c'est... Du coup ici, ça c'est des cartes génériques. Ça c'est des cartes génériques, ouais. Ouais, toutes ceux-là c'est des cartes génériques. Ça doit être des cartes d'action, hein. Je sais pas trop comment ça marche, ça il faudra qu'on développe un petit peu. Et du coup il nous manque les cartes... À mon avis les cartes planètes sera ceux-là, ouais. Mmh. C'est ça que tu veux en faire ? Hein? Je me dis, je vois bah, vu le dessin, hein, vu le dessin, on dirait. Ça, c'est également des cartes génériques, mais différentes. Ah non, attends. Recyclage. Non, il y a peut-être une icône de recyclage. Non, non, mais ici, j'ai. Non, je les ai. Il y a pas d'icône en dessous. Pourquoi tu veux du recyclage? Bah, je sais pas, on dirait une icône. Mais non, c'est pas du recyclage, c'est ça, c'est les planètes. Donc ici, on a toutes les planètes. Voilà. Hop. C'est les planètes qu'on pourra coloniser, j'imagine. Dessus, ben pareil, hein, on a réduit le coût de l'action achetée, bonus de construction, voilà. Donc ici, on a les trois, on va dire, cartes. On va les ranger direct. Hein. Donc, ça, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je sais pas si je vais sylver les cartes, parce qu'elles sont quand même assez protégées. Voilà. Et donc ici, on a plein de cartes. On en aura d'autres, on va regarder. Mais qui sont en fait les mêmes, hein. Sont les mêmes styles de cartes, tu vois. Mmh. Donc elles iront ensemble. Et ici, je pense qu'on a encore des cartes planètes. Ouais, tu vois. Ouais, en fait, je sais pas pourquoi ils ont. Ah ouais, mais même vaisseau, tu vois. En fait, ils ont complètement mélangé les cartes. Je sais pas pourquoi. Que là, on a le nouveau. Ah, mais attends. Ah, ici, on a des différents. Ici, c'était logistique. Exploration, ici c'est logistique, expansion, mmh. Extermination. Oh, ils sont jolis quand même. Hein. Bon, ici ils ont juste acheté un skin différent. Mais en fait, il y a des vaisseaux vraiment de combat, des vaisseaux d'explos et compagnie. Donc voilà. Et ici, on va retrouver bah, de nouveau des trucs planètes, hein, des autres planètes. Voilà. Et ici, bah, du coup. Bah donc ça ira ici. Et ouais, ça sera des cartes. Je l'ai ouvert où ? Personnages.
Ou peut-être pas que. Non, mais à mon avis, ouais, c'est le dernier paquet. Enfin, il y a peut-être autre chose avec, mais tu vois, c'est le dernier truc qui va aller là, je pense. Ça a quand même bien été pensé. Donc, ouais, ça, c'est tous les personnages. Ah, mais tu vois, on a encore des cartes ici, tu vois. C'est encore mélangé. Des cartes système alien. Ah, mais ça, c'est différent, par contre. Plan de défense. Ok, ça, c'est différent. C'est des cartes d'action. Artefact, ok, donc ça c'est différent. Ça c'est les cartes personnages. Hein. Je pense que. Ah, mais attends, on peut les mettre là aussi, non ? Mais non, je pense pas que ce soit prévu. On va les mettre ici avec. Ceux-là, on est bien d'accord, c'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes. Parce que là, on a les juste 3, 4. C'est ça, en fait, il y a différents niveaux. Bah voilà. Donc, hop, voilà. Bon, ça c'était rangé ici. On a encore un petit emplacement. On a l'emplacement pour les tuiles. On va regarder pour faire ça vite fait. Yes. Bah ça c'est les petits tokens qui vont ici au milieu, je dirais. Tout simplement. Ça c'est les cartes qui vont comme ceci. Ça va, le rangement il est hyper facile. Voilà. Et la grande carte elle va de l'autre sens, tout simplement. Hop. Ou pas. Ah, c'est la même. Putain, je pensais que c'était pas la même. Bah, c'est vrai. Et, ah, mais attends. Là, il y a les cartes. On sait encore mettre des cartes. Est-ce que les héros, ils ne vont pas ici? Peut-être. Moi, et encore, je sais pas. Bon, si, on peut les mettre là. Et ici, on va mettre tous les tokens d'argent. Hein. Tout rentre, à mon avis. Ah, ou alors les tokens d'argent, faut peut-être les mettre au milieu. Non. À mon avis, c'est plus ici. Hop. Bon, on a fait ça en direct, hein. Il n'y a pas grand chose à ranger, c'est plutôt bien pensé en réalité. On a pas mal de place. Après, avoir pas mal de place, c'est bien. Parce que si vous slivez vos cartes, votre taille va aller jusque là, ça c'est sûr et certain. Hein. Faut pas oublier, faut pas négliger ça. Si vous voulez slivez vos cartes. Par contre, on va pas avoir, à mon avis, il y avait que des pièces de 1. Il y avait de 2 aussi. Peut-être de l'autre côté. Mais... Je crois qu'il y avait des 2, non? Je dis peut-être des bêtises. Non, il y avait que des pièces de 1. Par contre, ouais, ici, ça me paraît juste de tout mettre. Oh, il y a encore, non? Ça va aller, peut-être. Ça va peut-être aller. Au pire, ouais, on peut en mettre de l'autre côté. Hein. Mais ça devrait aller. Ouais, ça passe tout pile, en fait. Donc voilà, on n'a plus rien à mettre. Ouais, non, mais je veux dire, hop. On a, mais en vrai, on a que ça. Il n'y a plus que ça. Bah voilà, bah en fait, ça se ronge super facilement. Les pièces. Ah, bah non, avec le livre, ça ne bougera pas. Voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. On se fera une petite partie en C4. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, tout le monde.